Gwadekro, un campement baoulé de la sous-préfecture de Dakpadou, dans le département de Sassandra, est devenu célèbre dans la région pour être le siège mondial de l'église évangélique Patmos. Ce siège est un joyau architectural qui contraste avec l'environnement dans lequel il est construit. Cette bâtisse a une capacité d'accueil de 2500 places et une résidence de la prophétesse. Plus de 5000 fidèles venus des paroisses de Sassandra, Soubré, Yamsoukro, Abidjan ainsi que d'Europe sont mobilisés pour célébrer l'œuvre glorieuse de Dieu. Le préfet de région de Boisclair, Bonny Koffi Ernest, ainsi que Philippe Lécré, président du conseil régional, se disent fiers et honorés de voir leur région abriter un tel chef-d'œuvre architectural. Dieu a fait son œuvre. Dieu est dans sa toute-puissance, eh bien, a choisi la région du Boisclair et a choisi le village de Godécourt. Je dis merci à Dieu pour sa présence permanente dans notre région. À la tête de l'église mondiale Patmos, une dame, Yao Aya Naomi, plus connue sous le nom de prophétesse Naomi. C'est depuis 1976 qu'elle et son époux, venus cultiver le cacao, sont établis à la lisière de la forêt classée de Niekre, non loin du village de Niapidou. Les prières de délivrance et les miracles accomplis par elle la rendent célèbre depuis le début de son œuvre évangélique en 1976. Des personnalités de tous les domaines de la vie vont régulièrement recevoir des bénédictions de la prophétesse Naomi à Godekro.